Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un bon jeudi. On peut dire que c'est un petit peu l'automne qui s'est installé. À vrai dire, on se demande s'il était un jour venu. En fait, nous avons de l'air beaucoup trop frais pour la saison, légèrement humide, instable qui circule sur nos régions. Nous sommes entre deux systèmes. On a cette cyclone qui est sur le nord des îles britanniques et puis nous avons cette dépression qui est proche de la mer baltique qui prend la direction de la Pologne qui nous envoie vraiment toute cette instabilité pour euh, les prochaines heures pour les prochains jours et même en fait jusqu'à lundi compris donc une situation et un temps assez compliqué pour les prochains jours vraiment très variable avec de temps en temps du soleil de temps en temps des nuages porteurs d'averses c'est assez compliqué d'autant plus qu'on a du vent on a du vent un vent désagréable euh, de secteur nord à nord-est, modéré à l'intérieur des terres, assez fort, voire fort du côté du littoral. Allez, on voyage un petit peu, on prend la direction de l'Espagne pour la journée de demain. Du côté de Madrid, on aura 33 degrés, 25 pour Lisbonne, 26 du côté de la Corse ou encore pour Nice, 28 du côté de Rome. Et puis, si on remonte vers le centre de l'Europe, 21 pour Paris, 18 pour Londres, 19 pour Amsterdam et seulement 15 petits degrés. C'est la minimale européenne du côté de Stockholm. On revient chez nous pour les prochaines heures. Voici la couverture nuageuse ainsi que les précipitations. On attend jusqu'à 5 litres par mètre carré ces précipitations qui sont attendues encore dans la soirée principalement sur l'est de notre territoire. Donc ce soir, nous allons, nous allons avoir de belles éclaircies sauf du côté de l'est. Un temps vraiment sec sur le nord. Donc les éclaircies arrivent à partir du nord. Elles vont venir s'installer sur l'ensemble du pays sauf sur l'est où là, on. Vous allez être touché par des précipitations. Un vent qui est toujours bien présent du côté du littoral avec des rafales pouvant aller jusqu'à 50 km/h. dans la nuit, les précipitations sont présentes du côté du littoral, des bancs de brume et de brouillard en Ardennes. Et puis sur le centre ainsi que sur le Hainaut, on bénéficiera d'un temps beaucoup plus calme. Des minima compris entre 6 et 15 degrés, donc vraiment un très grand écart entre l'ouest et l'est de notre territoire. 11 degrés sur le centre du pays. De Demain matin, on va se réveiller avec de très belles éclaircies, un ciel bien bleu, très lumineux. Et puis, malheureusement, ensuite, dans le courant de la journée, ça ne va pas s'arranger puisque les champs nuageux vont venir s'installer et ces champs nuageux seront porteurs de l'une ou l'autre traverse. Du côté du littoral, le matin, ce sera nuageux avec des précipitations, mais par contre, dans l'après-midi, là-bas, le soleil sera. La partie avec un temps sec, le vent toujours bien présent, 50 km/h pour les rafales à l'intérieur des terres, 55 du côté du littoral et un thermomètre qui a vraiment du mal à grimper. On est bien en dessous des normales de saison, de 14 à 20 degrés. 20 degrés sur le centre du pays ou encore pour la région de Mons à Knock, on aura 19 degrés. C'est pareil pour Lonsin, à Zaventem 20 degrés, Sambreville, 18 et à Bastogne 15 degrés. J'ai du mal à prononcer ce chiffre alors qu'on est en plein mois d'août, de 60. À 80% pour la probabilité de précipitation. Jetons un œil pour ce week-end qui ne s'annonce pas non plus des plus réjouissants avec un ciel très nuageux, des averses par moment jusqu'à 20 degrés pour la journée de samedi. Aussi de temps en temps quelques éclaircies, averses qui seront plus importantes sur l'est de notre territoire. Ce sera pareil pour la journée de dimanche. Si on est arrosé, ce sera principalement sur l'est, donc quelques pluies, quelques averses. Par contre, du côté du littoral, là-bas, beaucoup plus d'éclaircies un temps beaucoup plus calme et jusqu'à 19 degrés pour terminer le week-end pour débuter la semaine jusqu'à 21 degrés un ciel changeant donc on garde vraiment ce temps très variable très instable avec un petit peu de tout c'est-à-dire des nuages des éclaircies et puis aussi des averses ça sera aussi le programme donc pour lundi mardi on va vers une amélioration juste quelques ondes 19 degrés donc un temps tout de même un petit peu plus calme et on retrouvera un temps sec pour la journée de mercredi jusqu'à 21 degrés et Jeudi, on retrouvera un temps calme et doux avec 20 degrés et donc beaucoup plus de lumière. Vraiment, on en a besoin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec nous. Demain, on sera le vendredi 27 août. On fêtera les Monique. Bonne fête à vous, Monique. Le soleil s'élèvera à 6h49. On termine avec cette citation Une belle rencontre, c'est parfois aussi une question de temps. Il faut se trouver l'un l'autre au bon moment. Elle nous vient de Marc Lévy. Excellente soirée, on se retrouve demain.